Après cette toute petite pause, on est de retour sur cette web télé du Bige, Bureau Information Jeunesse de l'Orne. Mais si vous nous regardez, vous êtes sur notre site, donc vous savez ce qu'est le Bige, en tout cas je l'espère. On est au CITEM Festival, toujours sur le parvis de la Halle aux Toiles à Alençon. Et si vous le regardez en replay, venez découvrir ce qu'est le Bige. Bien sûr. Sur le site. Alors Fabien, Romain, et on a deux invités beatboxers. Comme on est en direct et comme on a un temps de préparation de chacune de ces émissions qui est extrêmement important, je n'ai bien sûr pas vos noms. Et comme nous avons des reflets sur la télé, je peux à peine les voir si William... C'est pas William ? Oui. Si. Voilà, alors on va taper la personne qui est à la régie. C'est pas William, c'est Willem. Non, William. C'est pas Willem, c'est William. William. Donc, il n'y a pas d'erreur. On va redire les initiales. W. I-2-L-I-A-M. I-2-L-I-A. Qui fait... M du big box. En fait, c'est juste moi qui sais pas lire. Et on a Lilian qui est respect pas... à la régie, respect et, éternel. Et malgré le temps et très Lilian. Court, je crois que Lilian lui est pas beatboxer en fait. Il chante et il fait de la guitare. Mais est-ce que vous êtes cap de faire du beatbox et toi de chanter sur le beatbox? Oui, bah c'est ce qu'on fait en gros. C'est... Et les guitaristes aussi. Mais moi, est-ce que tu peux faire juste chant, beatbox en fait, un petit ouais, truc si Tu peux faire de la guitare sans guitare? C'est dur. Alors, tu peux faire de la guitare en beatbox. Il y a Thomas Dutronc, il y arrive. Hein. C'est vrai. La mauvaise comme blague arrive. Manouche, il le fait par contre. Manouche sans guitare. Bref, on va dire des bêtises. Ouais. On va vous présenter. Vous allez nous parler de vous. Peut-être qu'on va démarrer par un peu de beatbox, comme ça à chaud. Parce qu'en télé, ça se fait pas du tout. Mais nous, on s'en fout. Vous êtes prêts? Vas-y, toi. Tu fais on fait un truc ensemble. Si tu veux. Moi, je sais pas. Ouais. Top Ten Fuck. Hein? C'est laquelle? Ok, vas-y. Ok, vas-y. When her legs don't burn like it used to be for. And I can't sip it off for you feel. When her mouth don't remember the taste of my love. When your eyes just smile from cheers. I'm betting I will be loving you till you're 17. And beating my heart the stiffest of the 23. I'm thinking about the heart. People falling in love with you still. We use waves, maybe I'll be touch on them. I just wanna tell me the only you sway. I just wanna tell you I am betting now. Take me to your loving arms. Kiss me under the line on the dancing star. Place your hand on my beating heart. I'm thinking now, Lord, maybe we find love right where we are. Voilà. Alors c'était William et Lilian. Bravo. Merci. À froid. Merci et en Lilian. Public. Merci à vous. On est super vache hein, parce que on s'en fout, on démarre une émission de web télé comme ça, on vous a prévenu 5 minutes avant, on démarre direct, on dit allez-y, faites-nous un petit truc là comme ça vite fait. Et alors bien sûr il y a eu 30 secondes pour une petite concertation quand même, ouais. Mais c'est vachement bien. C'était peu quand même. C'est vachement bien, bravo, bravo. Merci. Alors merci. Maintenant on va faire les présentations parce que pour le moment on n'a que vos prénoms. Vous êtes d'où? Vous êtes d'Alençon? Vous avez quel âge? Ce que vous faites dans la vie? Je suppose que vous n'êtes pas encore pro. Pas encore. Est-ce que ça fait longtemps que vous vous connaissez? Bah ça fait que quelques mois. Bon, on s'est rencontrés au lycée. Parce que j'étais en terminale, je suis bachelier là. Il était en seconde et bah moi j'étais... Ça fait 3 ans que je fais du beatbox. Et en gros j'ai toujours voulu faire un duo ou m'associer à quelqu'un, enfin collaborer, quelque chose, arrêter d'être tout seul. Pour ne pourquoi pas déjà allonger mes temps de set qui en général se déroulent entre 5 et 10 minutes. Alors qu'avec mon acolyte, ça se déroule entre 15 et 20 minutes. Donc déjà, on prend beaucoup plus de plaisir. Puis j'avais envie de changer. Et puis j'ai vu qu'il faisait de la guitare. Je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer. On a fait notre première scène au tremplin rock de Margot. On s'est préparé en une semaine. Et puis ça a très très bien marché. Du coup, bah, on continue. Et là, vous avez déjà fait votre set sur la scène du système? Non, pas du tout. C'est à quelle heure ce soir? 23h.
Ouais. À la salle du théâtre. Heures. D'accord. Vous faites du théâtre aussi ? Non, ils nous ont mis sur celle du théâtre. Oui, sur la scène, du théâtre, d'accord. Ça, c'est pour les gens qui regardent en direct. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est 23h la programmation. Ça fait juste 3h qu'on fait les émissions de web télé. On est toujours aussi mauvais. Mais c'est parce qu'on se cale toujours en moins de 30 secondes en plus. Donc, et on sait pas qui vient, c'est convivial. Voilà. L'année prochaine, vous faites quoi au niveau scolaire, études, travail ? Du coup, moi, je passe en première SPVL. Donc bac pro à Maréchal Leclerc à Alençon. Mais sinon j'habite à Bellem. Et toi, moi j'ai eu mon bac commerce. Ouais. Pour ensuite déboucher sur une fac de langue. Donc après je voudrais faire fils au père. Ou je vais peut-être faire l'inverse. Je suis encore neutre là-dessus. D'accord. Une envie de partir à l'étranger du coup ? Ouais. Alors, on va faire un peu d'autopromo, nous aussi, effectivement, le bureau information jeunesse. Mmh. Une de ses missions, c'est justement ça, la mobilité européenne. Donc, jeune fille au pair ou jeune fils, c'est ça, au pair. C'est effectivement un des moyens, mais il y a plein d'autres moyens qui existent pour effectivement avoir une expérience à l'étranger. Je pense notamment au SVE, le Service Volontaire Européen. Voilà, donc à l'occasion, si tu as envie de passer nous voir, autrement que sur un plateau de web télé, on pourra effectivement en discuter et parler un peu de mobilité européenne, si ça te tente. Ça, c'est très intéressant, merci. Alors, la question quand même sur le beatbox, c'est comment ça marche ? Bah, ça s'apprend. Beaucoup de gens me disent, oui, comment tu fais, nanana, nanana. Et franchement, faut juste y mettre du sien. C'est entre guillemets, c'est entre guillemets comme les cours, c'est un truc qui se taffe. C'est bête, en fait, c'est juste de simples breaks. Là. Et par exemple, on prend des lettres comme le P, on s'accentue sur la prononciation et ça donne P. Ou par exemple, C. Alors, Romain a failli danser tout à l'heure. Je ne vais écoute, pas. Écoute, je vais faire le beatbox. Alors, tu as dit, il faut faire accentuer le P. Comme ça ? Voilà, en gros, c'est comme quand je dis P. Ouais. On s'arrête pas sur. On fait pas la lettre entière. On accentue sur la percussion. Juste. Après, ça se travaille au fur et à mesure. Donc. Alors, je vais faire le C. Ce qui est très fort, c'est qu'il fait le P et le C en même temps. Donc, Fabien peut faire le P, je peux faire le C, mais les deux en même temps, c'est compliqué. Et le rythme aussi, parce que moi je peux faire des. Ça va être juste moche. Ça donne un rythme. Non, après ça se travaille, oui, au début c'est toujours moche. Mais t'as des bases musicales ? Comment ? T'as des bases musicales ? Comment ça ? De rythme, de solfège, d'instrument ? Pas du tout, ok. Bah, la flûte au collège, comme tout le monde. La flûte. Autodidacte du coup complet, c'est-à-dire que c'est vraiment. Moi je me suis beaucoup aidé de YouTube. Mais après, dans mon entourage, il n'y avait pas de beatboxer. Du coup, j'ai vraiment appris tout seul. Tes grands-parents n'étaient pas beatboxers de père en fils ? Non, du tout. Lilian, la guitare, c'est pareil. Tu t'es dit un jour, je vais prendre une guitare, je vais en jouer, et bim, t'as accentué les P et les C, et ça a fonctionné ? Exactement. Non, ça fait pas ça du tout. Du coup, j'ai appris la guitare il y a un an, à peine. Et j'avais déjà une petite guitare à jouer. Puis un jour, j'ai acheté une vraie guitare. Et j'ai travaillé. T'as pris des cours ou non. Pareil, autodidacte Non, j'aime pas les cours. Les cours, je vois beaucoup de gens qui ont pris des cours et ça pas. C'est pas efficace, c'est ça que tu veux dire? Je pense pas qu'il faut payer pour apprendre la musique. Je pense qu'il y a un moment où ça. La musique, ça vient où il faut apprendre tout seul. Alors, avec cours ou pas cours, avec solfège ou pas solfège, combien de temps il faut pour à peu près jouer d'un instrument, la guitare en particulier? C'est-à-dire que c'est combien de temps par jour? C'est quelle régularité? C'est régulier, en fait faut. Déjà si on aime ça on apprend beaucoup plus vite parce qu'on a vraiment envie d'apprendre. Et moi ce que j'ai appris c'est tout bête mais c'était une application sur portable. Et c'est des notes à faire. Si tu me dis que t'as appris à jouer de la guitare juste avec Guitar Hero, alors moi j'ai pris des cours tout ça et que je sais pas faire trois notes, je vais pas être très content. Non, mais ouais. D'accord, donc on notera à tous les profs de musique, à toutes les écoles de musique. Il faut télécharger. Arrêter les cours, c'est Guitar Hero. C'est fini. Non, c'est une plaisante. Enfin voilà, moi je plaisante parce que tout le monde peut pas apprendre comme ça. Voilà, moi je n'y arrive pas. Même avec des cours, je n'y arrive pas de toute façon. Donc. Toi, Romain, t'es musicien hein. Dans l'âme. Dans l'âme. Dans l'écoute. Dans l'écoute en fait. Je mise beaucoup sur l'écoute en fait. Et la voix, le chant, tu chantes plutôt vachement bien. Bah, j'ai jamais pris de cours, enfin. Je chante dans ma douche, mais... C'est non, le karaoké. Mais... En voilà, fait, pour devenir chanteur aujourd'hui, c'est une appli smartphone et du karaoké, essentiellement. Mais non, c'est... Et combien de temps? Parce que là, on rigole avec l'appli smartphone. Fabien dit, moi, j'ai essayé de gratter un peu aussi la guitare. Mais
c'est beaucoup de temps quand même pour apprendre en fait. Ouais. Ça paraît tellement simple quand on voit quelqu'un prendre sa guitare et puis hop, je vais vous faire un petit truc et puis poser la voix dessus. Ouais. On a l'impression que c'est simple. Bah quand après, on met ouais, la première fois qu'on prend les accords, une, voilà. La voix, faut, ouais. Les barrés. Exactement. Voilà. Messieurs, en tout cas, merci beaucoup. Avant qu'on ne se quitte, pour rappeler la Luciole, hein, puisque la Luciole va venir nous rejoindre. J'avais une vraie question. Il y avait une vraie question, mais. Vraie question de fond, tout le monde se pose, je pense. J'ai reçu des tweets et. Est-ce que le beatbox, c'est mieux que la guitare pour les filles? Ça, c'est la question de fond. Alors, moi, je vais te dire tout de suite. Alors, après, vous répondrez, mais à mon avis, quand t'as une guitare, tu peux parler en même temps, discuter, faire. T'as de beaux yeux, tu sais. Quand tu fais. T'as de beaux yeux, tu sais. Tu dois pouvoir placer. Alors, comment ça se passe avec les filles? Alors, à votre avis, pourquoi on s'est assemblé? Les petits malins. Alors, tu sais, au bige, on fait aussi de la prévention. On est en train de travailler sur un jeu sur la sexualité. Allez, un petit coup de beatbox, et puis après, on enchaîne avec la Luciole. Opa Gangnam Style. Opa Gangnam Bravo. Merci. Moi je William, sais que si bientôt je fais une soirée et que j'ai pas d'électricité, pas de batterie, je vous invite. Mais je ça peux va, fournir l'eau. Par contre, autonomie de 5 à 10 minutes. C'est ça. C'est pire qu'un iPhone en fait. Merci beaucoup les Merci. Gars. Merci. Juste une dernière question, si on veut vous écouter, est-ce qu'on peut vous retrouver sur Facebook? Il y a du son en ligne ou quelque part ou... Comme quand j'ai créé ma page, je connaissais pas encore Lilian, j'ai juste une page perso, c'est William Beatbox. Voilà. Et okay. Sur YouTube aussi. Voilà. Et bientôt il y aura les collaborations avec Lilian en fait. Je pose déjà des choses avec mon collègue. Ok, et merci beaucoup. Merci et on va accueillir, je crois, sans transition les gens de la Luciole. Dans 30 secondes. 30 secondes le temps qu'on se prépare en fait. Merci à vous. Merci à vous. Une prochaine.